Dit is nog eens de opstelling van beide ploegen met dus één wissel. Dans la vision de compagnie, on les aligne tous les deux. À partir du moment où il joue avec son 4-2-2-2, donc voilà, il joue avec 2-6 et c'est ces deux-là. Attendant, ça passe. Malgré tout, ça passe. Et l'arrêt de Van Krombrugge. Vindt zijn ploeggenoot en meteen aannemen, draaien, schieten. Een goede redding. Il y a du monde, il y a du monde, il faut un centre. Il arrive. Oui. Il était même puissant, Hedge. Avec la belle déviation là. Nu wel balverlies. Voilà. Lange bal. Moet wel zuiver zijn natuurlijk. Ja, maar kijk, dit is wat gelukkig. Nu omschakelen en meegeven met Rafailov. En een grote kans. Kappen naar rechts, afwerken. Zwak schot van Leo Rafailov. Scopes. Oh, elle est pas mal non plus. Elle était même excellente. Parce que franchement, elle terminait sa course dans la lucarne. Oui, c'est pas volontaire, mais... Non, vicieux. Elle est pas mal non plus, celle-là. Moeilijk om de mensen in het blok te zoeken. En nu durven gaan, zegt Kuipers. Voilà, op het signaal en dan meteen diep gespeeld. Dat leek met buitenspel. Ja, maar Bateau schat dat verkeerd in. En hier is Raman, die moet afwerken. 1-0 onderweg. Jawel. En offside of niet, dat zullen we dan wel zien. Benito Raman gaat vieren. Ja, en wat deed deze Bateau? Wat deed deze Bateau? C'est juste, c'est juste. Ceci dit, ça n'explique pas l'erreur de Bateau. Et alors, ouais, après, Raman fait bien le boulot. Mais Bateau fait vraiment une erreur de vouloir anticiper sur ce ballon. Avec le rebond, il est surpris. Là, il s'abstient, il fait ouais. Bien. Derrière... Il l'aimait bien, parce que c'est ouais. Quand même pas si évident que ça. Hein. Maar nu toch echt wel de linksachter van KV. Dat is hij eigenlijk al jaren. De omschakeling bij Mechelen. Storm kan meepakken. Gaat die trappen. Ja, goede trap van Storm. En de goal van Nicolas Storm. 1-1. KV Mechelen langs zij. En geweldig goed afgewerkt van de man. Ja, in vorm hè, bij KV. Dat ja, mogen we zeggen. Zo moet je doen, Aster. La paire de balle. Bon, c'est déjà un mauvais dégagement. Enfin bref, une mauvaise remise de Gomez. Et ici, il est complètement seul. Alors, certains diront, ouais, ok, Murillo, il anticipe que le ballon soit pour les Anderlechtois, mais il est quand même très haut dans sa reconversion. Het was goed, Van Hoed. Rafailov, ook van hem verwachten we wat meer. Ja, ook niet echt in de wedstrijd. Olsen, liften en goed meegeven met Kouamé. En die is ermee aan de haal en hij heeft de kans op 2-1. En dan mag de 2-1, Christian Kouamé. Op zijn thuisdebuut. Ja, 10 op 10 voor hem in die actie. Divorian tekent voor zijn eerste goal voor Anderlecht. Wie gaat zijn petit cadeau de l'après-midi? Parce que pour moi, il doit être beaucoup plus tranchant dans son intervention, Marc. Il ne peut jamais laisser passer ce ballon comme ça en tant que défenseur central. Après, c'est très bien fait, hein, ce ballon le met dans l'incertitude. Mais là, s'il coupe la trajectoire, il doit être plus autoritaire. Ne pas laisser Kouamé s'emparer du ballon comme ça. Une belle finition de Kouamé, ceci dit. Moet je al als je meer hoe lager gaan schuiven. Ook niet optimaal. Olsen, hij naar voren. Gomez, laag, tweede paal. 3-1, 3-1, en wie? Ja, hij, Christian Kouamé. Il la donne au bon moment, il n'y a absolument pas de hors-jeu. Le centre de Gomez, comme il nous en a déjà donné cette année, il est parfait. Er ook ruimte ligt om die bal daar te geven. En de actie begon bij El Hadj en bij Verscare, die heel balvast waren. Olsen aanspeelde. Olsen die zeer goed koos voor Gomez. Et là, Rafailov est seul. Trop tard. Sergio Gomez, boum, non, si, boum, goal, c'est pas vrai, avec un Kouamé, non, c'est Murillo, non, c'est Murillo, ouais. Kijk eens, wat een inspanning, ja, en ook Gomez, hè, goede inspanning, en dan, nou, geen uptak tegen de... Niet opgepikt, dat is het enige wat je Mechelen wel kan aanwrijven. Er zijn wel nog een paar dingen in deze actie, maar... Murillo... Retrouvé comme par magie ces petites accélérations sur les premiers mètres. Verskaren aussi, Rafailov, patate! Voilà Kouamé, ça s'est bien joué. Ils font ce qu'ils devraient faire en premier temps. Exactement. Par lui. Vider le centre, comme vous le disiez tout à l'heure. Regardez, ça va au fond avec Amouzou. Premier ballon, premier but! Oui. Changement gagnant! Et là, on ne peut plus gagnant puisque c'est vraiment son premier ballon. Hein. Tout à fait. Of zie ik het nu meteen verkeerd? Kijk maar hier. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ik denk dat het. Ok, ils viennent de changer leur paire centrale, mais allez, il est peut-être un peu embêté avec la trajectoire du ballon par rapport à Van Damme, mais il doit être autoritaire. Là. Oui, c'est pas. Verscare. Il va trapper, zelfs, kijk eens. Waar al dit lef vandaan. Dreux, je suis pas sûr qu'il ait touché une balle. Vous avez bien vu. Oh oui, joué. Magnifique. Magnifique.
Eh oui, ça aussi. Franchement, ça c'est l'Anderlecht comme on aime. C'est de l'Anderlecht historique. Mais Zirkzee, c'est magnifique ce qu'il a tenté. Doen hier Zirkzee in de bal, zoals we heel vaak zien, en dan verscharen. Ja, dat is de opposite movement, hè, Alster. Ja, dat is de opposite movement. Eentje in de bal. Un gros bol de confiance hein, pour lui, pour Zirkzee, pour Amouzou. Et ça, c'est, je sais que c'est important pour des réservistes et finalement pour Compagnie. Non, mais là, ce but, c'est à l'image de l'entrée de Voskaren. Hein. Elle est parfaite, elle est jolie. Et... Veel gelopen hebben ze wel bij Mechelen. En hier komen ze opnieuw. Pikalicek en Amouzou. Ja, ze hebben er zin in. Amouzou en Zirkzee. 7-1. Jongen, dit is ver onder de ondergrens van KV Mechelen. On commence sur l'action précédente. Mikhailichenko qui glisse en profondeur pour Amouzou. Et Amouzou, le bon centre en frais cette fois-ci pour Zirkzee. Il va chercher l'opposé. Ouais, tout est parfait. Voor KV kunnen ze hier nog een doelpunt maken met Onur Kaya. Goeie vrije trap, prachtige goal. Prachtige goal van Onur Kaya. Du mur, hein, c'est Zirkzee là qui le ferme, mais je crois quand même que je crois qu'il peut mieux faire en poussant peut-être un petit peu plus tôt, en anticipant. Il me dit d'ailleurs hein, qu'il fermait plus à gauche, ouais, il la voit tard. Mais voilà, on ne le retiendra pas rigueur. 7-2, je rappelle que c'était 1-1 à la mi-temps.